Il le cacherait pour toujours, même au moment final où il serait lui aussi ce promeneur traqué, heureux d'une manière extraordinaire à imaginer. C'est trop dire, à connaître instinctivement, que ce nouveau monde était un vaste, sans limite, semblable à l'archipel d'îles blêmes serties de noir, que les rayons de poussière lumineuse avaient fait surgir de l'autre côté de l'archa. L'homme, au contraire, tout en soutenant son pas solide, inflexiblement dardé vers un but très précis, allait son train, sans hâte et sans variation. Enfin, nous y voilà enfin pour le test de Journey, de l'édition Connector de Journey sur PS3. Salut tout le monde, c'est Neferius, et comme je viens de le dire dans l'intro, nous voici enfin sur ce magnifique jeu, le jeu principal de l'édition à son nom Journey Collector. Et comme vous voyez, nous commençons en plein désert, avec un personnage très inconnu que nous ne savons rien du tout, on ne sait rien du tout sur sa culture, sur sa religion, on ne sait vraiment pas même si c'est un humain ou pas. Et c'est ça, en fait, c'est ça le truc, on va dire, de Journey. Le truc de Journey, c'est qu'on est plongé dans un univers qu'on connaît encore moins que celui de Flow et de Flower. Dans Journey, on est plongé dans le pèlerinage un petit peu d'un individu qui n'a pas de nom, sans nom, et c'est plutôt bien comme ça, qui va essayer d'atteindre cette montagne qu'il voit en face de lui. Cette montagne-là, ça va être le but de son journey, le but de son périple, de son voyage. Et nous allons donc suivre son voyage du début à la fin. Alors comme vous pouvez le remarquer déjà, l'univers de Journey est vraiment très très vaste. On a vraiment des très très grandes étendues. C'est pas monde ouvert du tout, hein, ce qu'on pourrait croire. C'est mieux comme ça parce que je pense que si on s'égare un petit peu là-bas, on ne reviendra pas vivant. Enfin, on reviendra pas avant quelques heures. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller là où le chemin nous dit d'aller. Donc on a plusieurs éléments quand même, comme ça, dans le sable, qui peuvent nous indiquer en fait des précisions sur ce monde. Alors je tiens à préciser que je vais avoir du mal à vous faire un bon commentariste sur ce jeu, un commentariste, on va dire, qui soit parlant, puisque Journey, justement, n'est pas vraiment fait. Enfin, le background et le scénario ne sont pas du tout, pas vraiment explicites, on nous dit pas vraiment, il n'y a pas des textes où on vous dit qu'est-ce qui se passe, comme je l'avais dit dans Flower, parce que c'était le truc de Zaldgame Company, un des trucs de Zaldgame Company, c'est qu'on nous emmerde pas avec un scénario qui vient pomper notre gameplay. Là, on découvre tout par nous-mêmes. Le seul scénario qu'on a, c'est des petites cinématiques comme ça. Là, par exemple, je viens de découvrir un pouvoir mystique, et ce pouvoir mystique provient de ces bouts de ruban, de ces bouts d'écharpe, voilà, que je récupère. Et en fait, à chaque fois que je récupère, que j'en trouve, mon écharpe s'agrandit. Et à quoi ça sert, ça? À quoi ça sert, ces rubans? Et bien, ces rubans, ça sert à voler. Voilà. Ça sert à voler. Selon la longueur de mon écharpe, je vole de plus en plus loin ou de moins en moins loin, ça dépend. Si j'ai une grande écharpe, je vole loin. Si j'ai une petite écharpe, je vole pas loin. Et d'ailleurs, ça, bah voilà, je vais un petit peu commencer directement. C'est un point qu'on a reconnu dans Flow et Flower, c'est l'évolution de notre personnage, puisque là, l'évolution se fait grâce à ces rubans. À ces rubans, à chaque fois qu'on est... Bon, là, par contre, là, quand je vous dis qu'à chaque fois qu'on en récupère, notre écharpe s'améliore, c'est pas ceux-là qui vont m'améliorer. Ça, c'est une ressource, une réserve pour mes points mystiques, on va dire, qui sont représentés en clair, là, en lumineux sur mon écharpe, là. Mais c'est plutôt en fait des espèces de sphères lumineuses qu'on verra dans les recoins des niveaux, des chapitres qui bordent Journey. Et en fait, le mieux, c'est d'en avoir vraiment beaucoup. Pas que le jeu est dur, franchement, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un jeu compliqué, mais c'est plutôt que c'est mieux d'en avoir pour plus tard. Je vais pas vous spoiler parce que ça, Journey, j'ai pas envie de vous spoiler ce jeu. Encore Flower et puis Flow, ça me gênait pas. Mais là, il y a des événements que vous allez voir qui sont vraiment pas à spoiler. Donc là, j'ai fait exprès, enfin, pas vraiment de choisir le premier niveau, parce que comme ça, je vous dévoile pas grand-chose le début, mais je vous dévoile pas la fin, parce que la fin, c'est franchement...
inoubliable pour moi, la fin de journée est vraiment inoubliable. Et ça, c'est un autre point, voilà. On a vraiment pas grand chose au niveau du gameplay, mais le peu qu'il y a est vraiment suffisant. On n'a pas envie d'avoir un gameplay super complexe. Là, tout ce qu'on a, c'est ce pouvoir mystique avec croix que je vous dis qu'on utilise quand on pour sauter, pour voler. Et on a le pouvoir, quand on appuie sur on, qui nous permet de communiquer avec l'environnement. On peut soit faire des petits trucs comme ça, ou soit des gros. Alors ça servira beaucoup. C'est vraiment, bah, de toute façon, les deux pouvoirs servent beaucoup puisque ce sont les seuls. Et mince, j'avais oublié qu'il fallait appuyer sur n'importe quel bouton pour voler. Et nous voici donc dans le premier grand lieu. Le premier grand lieu parce que c'est perdu ce monde, mais en même temps, on y trouve des civilisations perdues comme ça, des lieux perdus comme ça que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, que j'ai passé quand même pas mal de temps. Hein. Je les ai pas survolés comme ça à la va-vite. Par exemple là voilà, j'allais vraiment partout dans ces lieux, j'allais partout. Pour tout visiter en plus, vous avez vraiment... c'est pas parce que vous allez visiter que vous allez rien voir, au contraire, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, par exemple ça. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais on peut voir des emplacements, des creux dans des motifs comme ça, un petit peu une croix, et là on peut voir qu'on peut placer des choses là-dedans, des choses lumineuses. Et en fait je pense que c'est tout au long de l'aventure, en fait, si on récupère toutes les sphères ou pas, parce qu'on a 3 sphères à récupérer par niveau, je crois. Parce que ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas joué, mais oui, je crois qu'il y a 3 sphères à récupérer par niveau. Et ça se trouve, ouais, celle-là, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. À mon avis, c'est ça. Donc là, j'ai récupéré, je sais pas combien de sphères sur combien, mais il m'en manque 7 en clair. Donc c'est pas énorme non plus, 7, parce que j'ai quand même pas mal visité, j'ai trouvé que j'ai pas mal visité, et ça m'a quand même étonné de voir que j'ai loupé des trucs. Mais bon, c'est pour montrer que l'univers de Journey est pas... est un peu plus vaste qu'on ne le pense. Et voilà, justement ça... Ça, c'est un bout d'écharpe, voilà, qu'on doit récupérer afin de l'améliorer. Regardez, je le prends et mon écharpe s'agrandit. Donc, je peux voler plus longtemps, ce qui va me servir peut-être à aller tout en haut de cet édifice. Maintenant, nous allons parler des graphismes de Journey. Alors, les graphismes de Journey, le jeu est sorti en 2012 et assez récent. Et franchement, les graphismes sont vraiment magnifiques. C'est vraiment fin, c'est travaillé, c'est précis, c'est parfait, voilà. Moi j'ai envie de dire que les graphismes sont parfaits parce que ils sont variés quand même, hein. On n'est pas toujours dans le sable, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans toutes les vidéos. Au contraire, plus on avance, plus on explore un univers qui devient différent à chaque chapitre. Bon, je vais pas vous le dire, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous spoiler, là je vous montre vraiment. Je vous montre ce que Journey avait à nous montrer. Et là, je vais pouvoir utiliser mon nouveau pouvoir avec rond pour pouvoir interagir avec tous ces rubans qui font une spirale autour de moi. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Les 3 sphères qui sont ici, c'est les 3 qu'il y avait à trouver dans ce chapitre. Alors ça, c'est un chapitre, oui. C'était très court, mais Journey est un jeu très court. Genre là, j'ai trouvé qu'il était court, mais ça m'a pas gêné en fait qu'il soit court. Et par contre, qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai oublié d'activer ça, évidemment. Parce qu'à chaque fin de niveau, on a des tombes comme ça, qu'on doit toutes activer comme ça. Voilà. On doit activer nos ancêtres comme ça. Je vais essayer de vous parler du scénario, d'après ce que j'ai compris, mais je sais pas si c'est très bien. Parce qu'après, il y a peut-être un scénario principal, mais il y a des points à côté que je n'aborderai certainement pas. Donc ce que je comprends, en fait, c'est que nous sommes le seul survivant d'une population perdue, d'un peuple perdu. Et nous allons essayer de découvrir ce qui est arrivé à ce peuple, de tout retracer l'histoire de ce peuple, voilà, sur ce tissu-là qu'on voit. Donc on découvre en fait au fur et à mesure des choses comme ça, des motifs qui s'ajoutent sur notre dessin. Donc là, on dirait voir des, on croirait voir des oiseaux en dessous des plantes. Ici, voilà, ça, justement, ça c'est le peuple perdu. C'est le peuple perdu. Et en fait, à mon avis, à chaque fin de chapitre, on rencontre une personne morte, peut-être un dieu, un ancien dieu de ce peuple, qui nous explique, qui nous retrace l'histoire, comme j'ai dit, de ce peuple. Et nous, donc, notre but au début, c'est de découvrir ce qui arrive à ce peuple. Et à la fin, notre but est de... Je vous spoil un petit peu, hein, mais à la fin, le but, en fait, c'est de reconquérir ce peuple, de renouveler ce peuple. Et vous verrez bien pourquoi, enfin comment on le renouvelle à la fin du jeu.
Alors pour moi c'est ça, on évolue dans ce monde, dans ce monde de cet ancien peuple, parce qu'on remarque quand même assez bien que l'univers, enfin les bâtiments, les lieux qu'on visite sont des lieux qui ont appartenu à cet ancien peuple. Alors après je sais pas s'il y a d'autres choses que ce jeu veut nous dire, je sais pas si ça veut dénoncer quelque chose ou pas, tout ce qui est ça, je saurais pas vous dire, mais je vous dis vraiment ce que je pense avoir compris. Et là, on arrive vraiment dans un endroit magnifique là. Celui-là, il est vraiment très très beau, avec toujours cette montagne qu'on verra toujours devant nous, à part à la fin, parce que bon, je vous spoil, mais bon, je pense que vous vous doutez bien qu'à la fin, on arrive enfin à cette montagne. Et ça c'est plutôt bien, comme ça on peut vraiment se guider pour savoir où faut aller. Parce que là vous voyez, on a comme une mise en abîme, parce que cet élément là est répété à l'infini quand on le voit là. Alors au niveau des graphismes, parce que j'ai un petit peu survolé le sujet, mais regardez, si vous voyez bien, l'effet de sable est, c'est le plus beau que j'ai jamais vu. Regardez quand on marche, ah là ça se voit un peu moins. Mais au début du jeu vous avez dû le voir, on avait vraiment des traces... notre chemin dans le sol, si on le voit un petit peu là qu'on a des traces, on a aussi des éclaboussures de sable, et on a aussi le vent qui ondule le sable, et ça c'est vraiment très très bien fait. Petit fragment de force mystique cachée. Et là ce que je vais devoir faire, alors encore une fois rien ne m'est expliqué, c'est à moi de trouver, mais c'était pas très très dur en fait. Quand on a compris le truc quoi de journée, on comprend ce qu'il faut faire et qu'il faut toujours souvent interagir avec ce qui nous entoure, avec cette force rubanesque, ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave. Avec ces rubans, voilà, on interagit toujours avec ces rubans. Et ce qui nous permet de les transformer en papier, comme ça, ça fait un peu penser aux machines à détruire le papier. C'est ça, en fait, hein, et si ça se trouve, ça, c'est une invention de cette ancienne population. Alors, je vous ai dit pas mal de trucs sur Journey, mais pas tout, hein, parce que... non, je vais vous dire encore quelques trucs, on va pas se quitter déjà ici. Je vais vous parler du mode online de Journey, parce que Journey possède un mode online. Là, je le fais pas parce que je ne joue pas online. Un, j'aime pas trop ça, puis deux, j'y arrive pas. On m'a souvent dit ouais, mais c'est facile, et puis on est venu chez moi pour essayer de me le faire, et on n'a pas réussi. Alors, c'est pas si simple que ça. Hein. Et en fait, le mode online, bon, j'en ai déjà entendu parler, hein, et il est très très bien pensé. C'est qu'en fait, on joue avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans Journey, on fait une partie, on fait l'aventure avec un coéquipier lambda. Et c'est toujours quelqu'un d'aléatoire qu'on ne connaît pas du tout. Et ça, c'est plutôt bien. En plus, avec lui, on peut pas lui parler, puisqu'on sait pas qui c'est. On peut pas mettre de texto, de messages, tout ça. Tout ce qu'on peut faire avec lui, c'est interagir avec Ron en lui disant par ici, en faisant un petit bruit et trucs comme ça. Alors, de ce côté-là, c'est plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé, finalement. Ça change, en fait, des... De tous les autres jeux online, on joue avec des amis. Là, on joue vraiment avec une personne étrangère. Et c'est plutôt bien. Voilà encore une évolution. Au fur et à mesure qu'on interagit avec ces rubans, on a un chemin qui se déroule sur cet endroit. Donc là, j'en ai fait deux pour le prix d'un. Du coup, j'ai un petit peu avancé. Et je vais finir de parler de Journey en vous parlant des musiques. Donc les musiques, comme je vous l'ai dit, dans l'édition collector de Journey, on peut les avoir. Attendez. Je me demande si j'avais pas loupé celui-là la dernière fois. Les musiques des journées sont vraiment ont leur style, un style oriental évidemment, avec des violons, des flûtes, des sons très très posés. On n'a pas beaucoup de musique dynamique à part une quand on fait une glissade dans le sable, qui est très très bien. Et on a aussi un thème qu'on reconnaît sur les journées, et ça j'ai bien aimé parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux où on reconnaît pas forcément le thème, mais là on le reconnaît bien le thème. On a vraiment un thème propre à journée qui est vraiment très très bien. Et ça voilà, ça aussi je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, c'est que quand on est au-dessus d'une dune de sable, on peut glisser, on glisse sur cette dune tout en bas, voilà, comme je suis en train de le faire là, voilà. Et c'est super bien, comme ça, comme le héros est un petit peu lent, ça nous permet de bien glisser sur le sable, de surfer sur le sable. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais essayer de voir où c'est qu'il y a des trucs à vous, des rubans à voir. Et je vous ai à peu près tout dit sur ce jeu. Alors, un résumé de ce jeu, franchement, c'est le jeu que j'ai le plus préféré dans cette édition collector. Mais petite anecdote, la première fois que j'ai entendu parler de Journey, j'ai trouvé ça nul. Je vous le dis franchement, j'avais pas un esprit comme aujourd'hui, j'avais pas un sens de la perspective. Enfin,
J'avais pas un esprit comme aujourd'hui, tout simplement, voilà. Et je me disais, quel est l'intérêt de faire un jeu s'il n'y a pas de gameplay, si on n'a pas de scénario. Je me disais, ouais, ils sont pas foulés, ils ont juste créé un univers et on se balade dedans, puis c'est tout. Et ben non, j'étais bien naïf, j'étais très très bien naïf. Disons, tout le monde était naïf au bout d'un, à une époque, hein, je le pense, enfin, je l'espère, hein, pour pas me sentir seul. Et maintenant que j'y joue, parce qu'avec le temps, avec le temps, j'ai plutôt, au contraire, ce jeu m'a au contraire vraiment plu, vraiment intéressé. Et là, quand j'y ai joué, c'était vraiment je perds toujours mes mots. Je perds toujours autant mes mots. Pour moi, c'était une. Attendez, je vais trouver mon mot. C'était une réelle. C'est dingue de perdre ces mots comme ça. Bon, j'ai perdu mon mot. Encore une fois, j'ai perdu mon mot. C'est possible, c'était une réelle. Enfin, c'était une claque, c'était une surprise pour moi, voilà. Parce que j'ai perdu mon mot. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le fait qu'en fait, dans Journey, on n'a pas à se casser la tête. C'est pas un jeu où on se prend la tête, on avance. Les énigmes sont très, très simples. On est émerveillé par le monde qui nous entoure, on ne peut pas mourir, enfin je crois pas parce que j'ai pas réussi à mourir à part à la fin où j'ai cru mourir en fait non parce que en fait à la fin vous verrez que votre écharpe représente votre barre de vie, bon c'est pas un gros spoil et c'est ça que j'ai bien aimé, on se prend pas du tout la tête, on n'est pas bloqué, on peut pas se bloquer dans un jeu comme ça, on peut que s'émerveiller et là je crois que oui c'est le dernier ruban qu'il y avait à faire donc ce jeu. Il se finit en à peu près 2 heures, je crois 2-3 heures, ça dépend. Moi je l'ai fini en 2 heures à peu près. Donc ça se finit d'une traite, hein, comme tous les jeux de l'édition That Game Company, de son collector de journée. Et ben je vous ai tout dit sur cet excellent jeu. Nous allons donc nous quitter sur une magnifique phase. Une des phases les plus belles de journée, et Dieu sait qu'il y en a des belles phases dans journée. Et par contre, je voudrais vous dire que c'est pas parce que j'ai fait les 3 jeux de cette édition collector que. Mon test va être fini, puisque j'ai encore 3 autres jeux à vous parler, que je ferai en épisode bonus avec EasyCool, je pense, qui sont 3 jeux qui se jouent en coopération, en local, de 2 à 4 à peu près. C'est deux, je crois que c'est 3 jeux de That Game Company, qui sont plutôt sympas, à part un que j'ai pas super apprécié, mais ils se laissent jouer en pendant 5 minutes, pas plus, parce que franchement, c'est pas le genre de jeu que vous allez jouer des heures et des heures. Mais ils méritent quand même d'être faits en vidéo, et puis je pense que je vais passer des bons moments avec EasyCool sur ces jeux. Autant que j'ai passé de bons moments sur une journée. C'est franchement un des jeux où j'ai passé le plus de bons moments. J'ai adoré ce jeu. Et je pense que franchement, je ne serais pas le seul à adorer ce jeu. Puisque, franchement, même si on peut dire, ouais, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de boss et tout. Même ce jeu peut plaire à tout le monde. Je suis sûr que ce jeu plaira à tout le monde. Tellement. Il est magnifique, on ne peut pas rester insensible face à un jeu comme ça. Alors ben voilà, je vous ai tout dit sur l'édition collector de Journey, 20 € pour 3 jeux, pour 6 jeux plutôt, plus les musiques, plus les fonds d'écran. Je pense que c'est une bonne affaire, que je vous conseille fortement. Et là, nous nous quittons encore sur un magnifique cinématique en relation avec ce dieu, cet homme, c'est... qui appartenait à ce peuple qu'on. D'ailleurs, on voit, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les personnages du peuple représentés dans les motifs comme ça sont blancs. Et nous, on est la seule personne orange. Alors, est-ce qu'on fait vraiment partie de ce peuple ou est-ce qu'on est vraiment plutôt une personne importante dans ce peuple? Vous le verrez à la fin du jeu. Donc, bah voilà, salut tout le monde. C'était Nefurious pour l'édition collector de journée, les 3 jeux principaux. J'espère que cette mini-série vous aura plu. Et qu'elle vous aura fait découvrir une boîte de. C'est des jeux indépendants, oui. Une boîte de jeux indépendants vraiment géniale, That Game Company, et des jeux géniaux. J'espère que ça vous aura ouvert l'esprit à de nouveaux jeux, des jeux expérimentaux un petit peu. Et très très originaux. Salut tout le monde!